Salut l'internaute! Le festival des fainéants, premier du nom, a eu lieu dimanche dernier à Annemasse, en Haute-Savoie. Je te parlais de ce projet il y a 2 semaines environ, ici en vidéo, et depuis, tout a pris vie. Mais avant d'en parler un peu ensemble, voici un petit montage vidéo que j'ai pu réaliser pour te faire vivre ou revivre le truc à travers mes yeux. On se retrouve après ces images. Monarchie présidentielle, il est un peu utopique de parler de démocratie. Mais qu'est-ce qu'une utopie si c'est un but à atteindre ensemble? Quel plaisir, quelle joie de voir réalité ce que j'ai pensé avec détail, d'y voir tant de monde, malgré le désert humain habituel d'un mois d'août, de recevoir autant de bons retours, que ce soit de la part des participants, des visiteurs et même de la presse locale. Bref, c'est un succès. Et je tiens à remercier encore la trentaine de bénévoles et de musiciens qui a assuré toute la journée. Dans cette vidéo, je ne vais pas t'expliquer ce qu'est le Festival des Fainéants. Ma précédente vidéo s'en chargera bien mieux. Avec mes camarades, réunis chaque mardi soir à Annemasse avec qui veut, nous avons pu tirer quelques leçons pratiques et conclusions politiques de cet événement, et plus largement, d'une année et demie d'action de ce type. Ma manière de militer, et donc de faire de la politique, est fondamentalement ludique, sérieuse, insolente, explosive, tout ça à la fois. L'objectif étant d'user de l'absurdité des politiques que nous combattons pour provoquer de vrais et forts échanges politiques et citoyens. Desquels, et c'est le pari que je prends, naît la conscientisation, puis l'engagement de chacun qui, ensuite, rendra possible le changement désiré et désirable. Et tout ça, on peut le faire sans être millionnaire et sans être soutenu par quelconque parti politique. Par les actes, je le prouve. Tu me sais sympathisant de la France Insoumise, oui, fondamentalement, mais c'est avant tout l'avenir en commun, le programme, les idées politiques que je porte. Si tu me connais dans la vraie vie ou si tu me suis depuis longtemps, je ne t'apprendrai rien, mais je vais le redire, mon désir profond, ce n'est pas ma réussite personnelle ou me faire élire ou je ne sais quoi. Tu pourras trouver ça bateau, mais c'est sincère. Je ne vise que l'intérêt général large et la justice. Si pour l'atteindre il me faut, il nous faut réaliser des vidéos, un film, un documentaire, un spectacle, des actions de rue, du porte-à-porte, être lanceur d'alerte ou réaliser une campagne politique, un mandat électoral, tout ça pour moi, ce sont des outils divers pour atteindre un objectif bien précis, l'intérêt général large. Si tu me demandes de laisser parler mon désir ou mon confort personnel, alors je te dirais que je préfère 1000 fois faire des vidéos, faire des spectacles, être artiste, que plutôt que d'assurer un mandat électoral.
tu vois, le champ des possibles. Mais j'ai conscience que tout ne se vaut pas, mais se complète, et du poids politique qu'a un mandat, par exemple. Alors je n'écarte rien. C'est pour cela, par cohérence, que mon intérêt particulier passe en second plan, et que je m'attelle à ce qu'on s'attaque à tout à la fois. Plus d'infos pour les prolos. C'est pas le sujet, cette politique. Allez, madame, l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Sans faire tout en même temps, pour rester efficace. Et tout ça n'est possible que si nous sommes nombreux et unis. Et je suis heureux de voir que plus le temps passe ici, plus nous sommes nombreux et unis. Ici, ça veut dire à la fois, à ce jour, près de 7200 abonnés à cette chaîne, mais aussi des dizaines, des centaines de citoyens physiquement actifs de par chez moi. Alors que je m'approche de la 90e vidéo où j'ai 1000 choses à te dire, j'ai une proposition à te faire. Et si, en plus de les dire, on se mettait à les faire, ces 1000 choses? Tu vois où je veux en venir? Je le dis toujours, parler c'est bien, agir c'est mieux. Avec toujours plus de monde par chez moi, on s'active, on agit, on se réunit chaque semaine sur le terrain. On pourrait alors, pour être plus fort, créer un collectif, une asso, pour monter des actions plus organisées, plus ambitieuses, avec un cadre plus structuré et surtout totalement libre, sans compte à rendre à personne d'autre qu'à nous-mêmes. On peut même imaginer le Festival des Fainéants comme notre rendez-vous annuel qui, alors fort de nos talents, de nos compétences, de nos moyens, serait chaque année toujours plus grand et alors plus utile pour nos luttes. Alors je ne dis pas ni ne pense que cette idée est LA solution. Non. Ce que je pense par contre, c'est que nous avons besoin d'agir, que beaucoup le font déjà et très bien, mais que c'est loin d'être suffisant. Qu'il est alors utile de se voir toutes et tous comme des antennes, des relais, des acteurs d'un même désir de changement. Tout ça reste à débattre, à réfléchir, mais surtout à faire ensemble. Que tu vives près de chez moi ou pas, avec Internet, il n'y a plus de frontières. Militer et agir, on peut le faire de 1000 façons et depuis 1000 endroits, car nos grands intérêts à défendre sont les mêmes partout. Je te propose d'en discuter en commentaire sous cette vidéo, ou alors si tu as une autre idée d'endroit, un forum, une liste mail, un groupe Facebook, bref, propose, on peut tout faire. Merci de m'avoir écouté, merci aux tipeurs qui chaque mois permet à ce que cette chaîne existe. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce vers le haut, de partager la vidéo, et je te dis à très bientôt parce qu'on a 1000 choses à faire ensemble. Allez, ciao !